matos. Donc, je vais partir de la droite vers la gauche. Donc, ma tenue, je ne sais pas encore, hein, par rapport aux conditions climatiques. Là-bas, ils ont annoncé de la flotte, bah, quand même toute la journée, avec des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 90%. Donc, j'ai pris mon haut manche longue X-Bionic. Hein, moi, j'aime bien courir avec ça. Hein, ça reste quand même à la bonne température, même si on est mouillé. Ou deuxième tenue, mon t-shirt BV Sport avec mes manchons que j'avais gagnés au Trail des Roches. Le petit buff qui va bien. Hein, moi, j'en ai toujours un ou deux, important. Mon short Salomon de compression. Mes chaussettes BV Sport. Mon stabilisateur. Hein, on voit bien le doudou de ma fille, très important. Le doudou de ma première fille. Mes deux gourdes Nike. Mon porte-dossard. Hein, sympa la déco. Hop, mes Speedcross. Speedcross, hein, moi j'ai choisi, bon même si elles sont un peu usées, de prendre les crampons parce que je pense que ça va bien être trempé. Hop, ma veste Gore-Tex, hein, si vraiment je prends la foudre au niveau de la drache. Le dénivelé, le parcours, 33 km, 1734 mètres de D+. Donc moi je l'imprime toujours, je le plastifie et je l'emmène avec moi, ça permet de mieux gérer sa course. Donc j'ai coupé en tronçons de 10 km. Donc premier tronçon de 10 km, 428 de D+. Le deuxième tronçon de 10 à 20, 681 de D+. Et le troisième tronçon, ok, on a 534 de D+. Donc ça, je vous le conseille, hein, deux ravitaux aussi. Hop, on en a un à 13 et on en a un à 23. Donc moi, je vous conseille de faire ça, hein, c'est quand même sympa pour savoir se situer pendant la course. Mon sac Oka 17 litres, hein, je reviendrai dessus à travers une vidéo de présentation. Mon logo, hop, on redescend. Mon petit bracelet pour glisser le dénivelé de la course. Moi j'ai toujours un certificat médical avec moi, sait-on jamais. Une paire de gants, hop, mon alimentation, hein, le cycle des trois, hein. Pomme pote, les barres amandes Aptonia et je rajouterai eh bien, les Babybel au frigo, je vais aller les mettre. Mes capsules d'hydratation de Pure Vitae. Donc une capsule, une gourde de 650 ml. Hop, rigide. Un gobelet qui tient dans la main, réutilisable. Hein. Un éco-gobelet, comme on aime bien dire. Ma couverture de survie. Un peu mon kit d'urgence que j'ai tout le temps. Petite lingette. Ensuite, il y a un bandeau, et un strap, sait-on jamais, si une cheville part, un petit couteau suisse, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Bon, rigolez pas, hein, moi j'ai toujours mes lunettes, même s'il fait un temps pourri, hein, c'est surtout pour les branches, hein, à travers les bois, ainsi de suite. Ma petite visière Salomon, et voilà. Eh bien, écoutez, il est temps pour moi de me préparer, hein, départ dans 20 minutes, et je vous retrouve directement sur la zone de Bogny-sur-Meuse. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur les Mountain Trail, retraite d'Ossard. Puis après, ben, je vous parle un peu de la course. Hein? Petite rencontre abonnée. Comment ça va? Ça va. Ouais, nickel. Ça va. Ouais. Ced, comment ça va? La patate. Il est chaud. Allez, on y va. Salut mon pote! Mon pote Ludo, il est là depuis 3h du mat! C'est clair! Mais t'es bon, t'as tout là? Ouais, t'as tout récupéré hier! Bah écoute, je récupère mon dossard, on voit après! Ouais, c'est pas bon,
Bonjour. 8100, s'il vous plaît. 8100, on prend la avec Jérôme. Oui. Vous avez le droit à une soupe à l'arrivée. Oui. La remise des coureurs, c'est la queue. Hein. D'accord, on m'a dit, merci. Waouh. Tout est bon. C'est la plus grande difficulté de la journée. Ouais, bon. Allez, merci pour tout. Bonne journée, au revoir. Nickel, 8100, là j'attends pour retrait du lot, nos participants. Allez! Bon, mais direction la ligne de départ. Hein, petite chose marrante là. Hein, mon pote, il aime le rustique. Hein. Oh, salut. Alors, regardez l'arrière de son sac. Vas-y, avance, avance. Hein. Sponsorisé par Justin Bridou. Justin Bridou. Je suis rien. Allez, mon pote, bon courage. Merci. Cédric, merci. Le 18, moi le 33. On va retrouver les poteaux et on y va. Que nous aujourd'hui. Et pourquoi avons-nous voulu un trail aussi célèbre? Parce qu'on nous a dit les meilleurs sont là. Alors si les meilleurs sont là, eh bien il faut que nous ayons le plus beau des spectacles. Ce plus beau de spectacle, mesdames et messieurs, vous l'avez autour de vous. Regardez cette magnifique forêt. Go, c'est parti, Evan Trail. We'll be right back.
arrivé au 4ème kilomètre, pénétrante dans la forêt. Donc regardez la queue. Découvert d'un collègue. Ça va. Profite du bouchon pour se reposer. Hein. Allez voir sa chaîne, pareil, en contrebas, en description. Vous avez ta chaîne, c'est Trélystéria. Trélystéria. Allez voir, c'est super sympa. L'approche est vraiment nickel. Allez, on continue. Ouais, on continue. Il est un Byzantin, j'ai vu sa vidéo. Salut. Bon, il est temps pour moi de vous parler du parcours dans le détail. Donc, 6ème édition de Eamon Trail, 33 km, 1734 de dénivelé positif. Donc, deux ravitaillements, kilomètre 13, kilomètre 23, une barrière horaire, kilomètre 24 au niveau des 4 ficémons. Donc, au niveau de ma stratégie de course, donc il est vrai que j'ai encore imprimé le dénivelé et j'ai coupé le parcours en 3 segments. Donc 0, 10, 10, 20 et 20, 30. Donc sur ce premier segment, hein, 428 de D+. Donc moi je vous conseille de faire ça, surtout si vous êtes débutant. Ça permet vraiment d'y aller étape par étape. Rien que de prendre la totalité des 33 d'un bloc. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure sur le premier ravito, kilomètre 13. Allez, c'est parti! Merci. Oh, c'est cadeau. C'est cadeau. Wow. Bon, ça va se terminer en bétillé, loco. Il est chaud. Bon. Une heure de course. Et je suis au 9ème kilomètre. Donc très bien, un bon focus. Donc un petit conseil nutritionnel en même temps. Pensez bien à vous hydrater, une petite gorgée toutes les demi-heures. Et à vous alimenter toutes les 45 minutes à une heure. Hein, souvenez-vous, un cycle des trois pour moi. Les pompottes, les barres Aptonia aux amandes et les Babybel pour alterner sucré et salé. Parce que n'oubliez pas, dès que vous arrivez dans une carence, pour remonter, au final, il est déjà trop tard. Allez, on fonce au ravito. Bon, kilomètre 10, 1h16 de course. Donc là, un petit mur bien sympa. On est bon, on est chaud. Ouf. Une pluie qui se faisait vieux au visage.
Bonjour. Merci. Bravo à vous. Bon, j'ai attaqué le deuxième segment. Deuxième segment, entre 10 et 20. Donc là, c'est le plus dur de la course. Sur 10 km, il y a 681 mètres de D+. Voilà. Là, j'ai dépassé les 11 km. 1h32. Et puis, on est bon. Hop, petit coucou d'un pote. Ça va? Salut. Ouais. Tranquille. Bon, une pensée pour Ludo. Ouais, ça marche. Oh, il était inquiet, Ludo. Ouais, sur le 18. Allez, courage, Ludo. Ouais. Allez, courage à toi. Merci. Bon. Allez, super découverte. Ah ouais, je rencontre Anto, chaîne Hanson. Un super chaîne, super esprit, hein, d'habite à 1h30 l'un de l'autre au final. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, vous retrouvez ça. Cool. Il y aura son lien dans sa chaîne dans ma description. Je te remercie, hein, mon chat. Je te souhaite une bonne course. Merci, gars. Toi aussi. Yes. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Merci. Bon, le premier ravito, donc un petit décalage. On va se faire la même. On est à 14h76. Bah, apparemment, c'est plus des ravitos du tout. Annoncé kilomètre 13. Donc, ravito liquide et solide. Vous voulez? Bon, je vous banane. Allez, on fait le plein, on est chaud. Ouais. Faut se dépêcher, bah, je peux voir. Allez. Bon, moi je traîne pas, hein. 2h07, presque 15 km. Petit chocolat, pain d'épices. Et voilà. Une merveille. Oh, une merveille. Salut. Petit panoramique. Enfin, c'est le village de Holm en dessous là. Village de Holm. Ouais. Kilomètre 18. On arrive à 2h30 de course. Ah, ça grimpe bien, sévère là. On arrive bientôt à 900 mètres de D+, depuis le départ. Allez, continue. Merci de l'appel. Bonjour, merci. Merci à vous, mes amis. 3h01 de course, je dépasse le kilomètre 20. Allez, je vous reprends en contrebas. Petit point de la course. Bientôt le kilomètre 21. 3h12. Là, je suis actuellement dans le troisième segment où là, je vais prendre exactement 534 de D+. Voilà. Un petit single roulant. Ça va, tout va bien. Salut la sorcière. Bonjour. Salut toi l'ami. Tiens, avance un peu plus vite que ça. Bon, bah j'arrive bientôt au kilomètre 23, il restera 10 km. Donc là en 3h39. Voilà, c'est vrai qu'au kilomètre 21 et 22 là, gros dénivelé d'un coup là, j'ai grimpé au moins pendant une demi-heure. Donc pas évident là. Donc ça va, je relâche bien dans la descente et puis bah je continue jusqu'au ravito au kilomètre 23 normalement, et voilà, direction les 4 fils et mon au final. Allez, à tout de suite.
Starré au 4 fils aimants, 12e siècle, reine de Charlemagne, avec le cheval Bayard, hein, hop, qui surplombe toute la ville de Bonny-sur-Meuse. Bon, mais il est temps pour moi de continuer. Je dépasse le kilomètre 25, 4h06. Allez, on est reparti jusqu'au ravito. On est pas loin. Deuxième ravito, kilomètre 25. Donc là aussi, il y a un petit décalage de 2 km. Hein, on avait avancé kilomètre 23. Et voilà. Merci. Voilà, exactement. Bon, je sors du ravito numéro 2, kilomètre 25. Des petits bretzels salés, ça fait bien plaisir. Ravitaillement en eau. Et puis la grosse, dernière difficulté du parcours. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Passage technique, kilomètre 26. Petite rencontre abonnée avec Arnaud. Salut Jérôme. Arnaud la pêche. Ah, nickel. Voilà, on est au kilomètre 27. Ouais, c'est un super, super terrain de jeu, bien technique. Ouais, bien technique. Hein. J'ai l'impression de faire du ski des fois. Oh, ouais, c'est bien, mais écoute, je te souhaite bon courage. Merci à toi aussi. Yes, allez, continue. Allez. Kilomètre 30 en 5 heures. Il reste 3 km, dernière montée devant, et puis après, retour sur Bonny-sur-Meuse. Allez. Ouh.
quand il reste une surprise. Une petite, petite montée. Allez, bientôt terminé. Et mon trail, 33 km. A savoir que je vais dépasser les 1800 de D+ au final. 6ème édition de la course. Voilà. Allez. Merci. Finisher 5h23. Comment? Ah putain, pas mal de crampes. Me voilà bien rentré à la maison. Il est temps pour moi de passer au débriefing de Lemon Trail 2020, 6ème édition. Je tiens tout d'abord à remercier l'organisation et les bénévoles. C'était vraiment le top, que ce soit le retraite d'Ossard, les bénévoles sur le terrain. Il y avait même des bénévoles déguisés, hein, des sorcières, des chevaliers. Hein, ça se prêtait vraiment bien au lieu et c'était super top. Concernant le classement, bien, je me classe 370e sur 635 finishers en 5h23. Donc, parcours très compliqué à gérer, parcours technique de par les conditions climatiques, la bouillasse, aucun point d'appui. Et pour vous dire, j'ai même été sujet, c'est très rare, hein, à des crampes au niveau de l'adducteur et l'intérieur de la cuisse au niveau de l'ischio-jambier. Donc, bon, pas évident à gérer. Mais bon, ça va, aucune chute, je vais bien, c'est nickel. Parlons des ravitaillements. Concernant les ravitaillements, je l'avais annoncé et donné que j'avais récupéré sur le site de Lemon Trail, kilomètre 13 et kilomètre 23. Vous avez vu dans la vidéo qu'il y avait un petit décalage. Mais de toute façon, les données réelles étaient indiquées sur le dossard avec le dénivelé pour chaque trailer. Donc, c'était indiqué sur le 33 et sur le 18. Donc ça, c'est encore une fois, c'est super de placer le dénivelé pour chaque trailer sur un dossard. Parlons maintenant du lot participant. Très original, hein, d'avoir fait ce choix-là. Un petit bonnet péruvien pour ton plaisir, loco. Estampillé Emon Trail avec les 4 fils Emon et le cheval Bayard. Donc, un site rempli d'histoire. Donc ça, c'était vraiment bien. Et en plus, sur le 33, on avait le choix entre des gants, une écotasse en silicone et un tapis pour se changer sur différentes épreuves, hein, type basse-vie, ainsi de suite. Ok. Je vais vous parler aussi des rencontres, les super rencontres sur ce trail, ça a été vraiment super. Hein. Rencontre abonnés, j'ai rencontré de super personnes avec à chaque fois le même sens et les mêmes valeurs de pourquoi on court, pourquoi on aime le trail, donc c'était super. Je cite aussi la chaîne de Hans Soren, Anto, Hysteria Trail et Nono Trail. Hein. Toutes ces chaînes-là, directement, je vous la mets en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, partager si ça vous plaît. Et bien voilà, il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Prenez soin de vous, gardez la pêche. Hein. Moi, je reviendrai dans un mois sur un 26 km. Et bien, en attendant, préparation physique générale, préparation physique spécifique, on continue à s'affûter. Et puis, on garde le focus. Et je sortirai aussi d'autres vidéos par la suite. Hein. Vous retrouverez aussi ma dernière vidéo. Hop! Ma dernière vidéo, elle va s'afficher quelque part par là, où je vous parle de la box running et aussi des 5 nouvelles thématiques que je vais mettre en place à partir du mois de février à l'intérieur de ma chaîne YouTube et dans différentes playlists. Allez, j'arrête de parler, prenez soin de vous, salut !